Hey l'aiguirien, et vous qui passez par là, merci de m'accueillir chez vous pour le tirage de la fin de la semaine. Donc, 23, 24, 25 juin 2023. Les dates, ça change tout le temps. Bon, alors, on va utiliser aussi aujourd'hui des jeux de copines et copinettes. Donc, nous allons utiliser pour commencer, pour faire la carte des énergies, peut-être principales, pas principales, mais dominantes peut-être pour certaines personnes, avec l'oracle du sixième sens de Esteban Frédéric. Ah, on a une carte qui vient de tomber. C'est la carte de la séparation. Et puis on a la carte du choix. Je n'ai pas mélangé assez. Hein. Vous savez que parfois, il faut mélanger plus longtemps. Nous avons la carte de la dame. J'ai une forme d'instabilité quand même ici, hein, qui, pour certaines personnes, on a une forme d'instabilité. Donc, on y va, les amis. Tous les tarots ou oracles que j'utilise en général sont en barre d'infos sous la vidéo. Conflit, mariage, travail. Donc, on a ici le travail qui va dominer. Donc, pour moi, alors oui, ça peut être le travail, le boulot, mais peut-être qu'il va s'agir ici d'un travail que l'on doit faire. Un travail sur soi, peut-être, pourquoi pas. Un travail sur soi, un travail parce que changement, parce qu'il va y avoir du changement, peut-être, parce que. Parce qu'il faut préparer quelque chose. Peut-être que vous devez préparer quelque chose qui va provoquer un nouveau changement, quelque chose de nouveau dans votre vie. La trahison, la grossesse, le choix, le bonheur, l'attirance. Donc pour moi, si vous êtes dans une mauvaise passe, si vous êtes dans une mauvaise passe, surtout une passe de trahison, de conflit, etc., je pense que il y a quelque chose de nouveau qui va commencer pour vous. Donc avec la grossesse ici, donc ici, il y a quelque chose qui est en gestation, qui commence, qui va commencer. Il y a des choix que vous allez pouvoir faire. Vous allez vers le bonheur. Donc ici, si vous n'êtes pas dans le bonheur, vous allez y aller et on a ici une attirance, l'attirance d'une personne pour une autre, de vous pour une autre personne, ou enfin, j'espère que ce sera réciproque. Voilà pour ce qui est des énergies. Donc, travailler au changement éventuel qui va arriver. Bon, on va faire les énergies générales. J'ai mis mes poupées à soucis, hein? Oui, je m'en sers toujours. Elles sont vieilles, ces poupées. Poupées à soucis qui mangent tous nos soucis, les amis. Allez. Alors, il y a la guérison de quelque chose pour cette fin de semaine. La guérison, rémission. Donc, les choses moches ou les tracas, etc., sont en train de se résoudre. Le vaisseau et la passion. Donc ici, on est dans le vaisseau, c'est le voyant. C'est faux le normand. Des déplacements
passionnant, des déplacements pour quelque chose qui vous... Alors ça peut être par exemple pour faire une visite qui, de quel, d'un lieu qui vous passionne, ça peut être aller dans un endroit que vous aimez, mais aussi ça peut vouloir dire du changement, un déménagement, un changement de travail. Oui, un changement de travail. Alors, soit on change de boulot, on reste dans la même boîte, mais on change de lieu, de bureau. Ou alors, on change carrément de travail et on va plutôt vivre de sa passion ou essayer de vivre de sa passion plutôt que de subir un travail qu'on n'aime pas tous les jours. Alors, on va faire le tableau en 13 cartes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 13. On a encore les décisions, on a des changements là de travail, on a des décisions à prendre, les amis. On a des choix à faire par rapport à un déménagement, par rapport à un changement, par rapport à quelque chose de nouveau, oui, peut-être une grossesse, effectivement. Alors, on y va. On commence avec la carte du travail. C'est quand même un peu fort, hein? On a ici le travail et on a la carte du travail. Donc, changement de décision. Il y a des choses qui vont bouger ici au niveau du travail. Mais il est possible aussi, vu que c'est un tirage général. Si ce n'était pas un tirage général, je resterais vraiment dans le domaine boulot. Maintenant, c'est un tirage général, donc peut-être que ce travail-là, c'est un travail que vous faites sur vous, par exemple. Alors, médisance. Donc ici, attention au cancan. Attention au cancan. Je recouvrirai s'il faut. Attention au cancan. On vous demande de réfléchir. Peut-être que... ne faites pas trop attention à ce que l'on vous dit, parce que ne répondez pas, laissez, mais par contre ça demande réflexion, parce que peut-être que on va dire des choses sur une personne, mais ça n'a rien à voir avec vous, c'est plutôt pour vous, c'est plutôt de la médisance, mais peut-être que ça va demander réflexion par rapport à ce que l'on peut dire de vous, peut-être. Nous avons la dame, une dame âgée. Donc, on a une personne d'un certain âge. Ça peut être... C'est pas vous, hein, même si vous êtes d'un certain âge, parce que vous, vous êtes la consultante. Si vous êtes un monsieur, ce sera le consultant. Mais en tout cas, ici, il s'agit d'une dame âgée. Peut-être qu'on doit prendre des décisions par rapport à une personne âgée. On a une personne âgée qui nous donne du travail. Beaucoup de travail, c'est un petit peu un travail qu'on ne peut plus supporter. Donc, même si on va vous salir, vous devez prendre une décision par rapport peut-être à... placer ou non cette personne. Quoi qu'il en soit, la décision que vous allez prendre par rapport à cette personne, c'est peut-être pas du tout une personne qu'on doit placer, c'est peut-être une personne qui vous aide, une personne plus âgée qui vous aide, qui travaille pour vous, qui fait un travail pour vous, qui fait un travail sur vous. Mais en tout cas, vous allez vous sentir beaucoup plus serein. Oui, il est possible que ce soit une personne que vous allez rencontrer
qui va faire, je sais pas moi, qui va vous faire un tirage, et du coup, vous allez être beaucoup plus serein ou sereine. Voilà, on a monsieur ici, donc ça c'est vous monsieur ou c'est votre monsieur, si vous êtes une dame. Si vous êtes un homme avec un homme, c'est vous. Si vous êtes une dame avec une dame, c'est votre madame. On a l'imprévu ici. Donc effectivement, il y a quelque chose qui arrive. Ah, l'imprévu, là, il est écrit. Qui concernerait vous-même. Donc peut-être qu'il y a, il y va y avoir quelque chose d'imprévu, peut-être une proposition, une donation, c'est parce que des personnes plus âgées, on pense souvent à l'argent, mais il n'y a pas que ça. J'ai ici une entreprise, peut-être que j'ai une entreprise familiale, donc des choix à faire. On va prendre les responsabilités d'un chef qui est parti, par exemple. Vous allez ici, on est vraiment dans les signatures. On est vraiment dans les signatures, dans la configuration, configuration. Enfin, on met noir sur blanc des décisions qui vont être prises. On a la carte de l'été, donc ça va se passer de 1, dans les 1 à 3 mois. Et ça peut se passer en été, mais sinon je vais recouvrir les cartes, certaines cartes. On a l'amour ici, donc ça concerne une relation amoureuse, donc on a un amour, l'amour qui ressort, donc peut-être que dans le courant de l'été, vous allez rencontrer l'amour, peut-être que au travail, vous allez rencontrer l'amour, pourquoi pas, le repos, je pense que, la prévue, oui, je pense qu'il y a effectivement, c'est peut-être en signant des papiers, que vous allez faire une nouvelle rencontre, une nouvelle rencontre. J'ai toujours une espèce de maison de convalescence, une personne qui a trop travaillé peut-être, qui doit se reposer, prendre du repos. Attention au burn-out. Attention au burn-out. Oui, on a la carte des documents, j'ai la carte des écrits, donc c'est vraiment deux cartes qui se complètent bien. Donc ici, peut-être qu'on va passer des épreuves, on va faire des formations et on va avoir le résultat positif de tout ce travail qui va vous apporter beaucoup de sérénité, de joie, de bonheur dans votre vie, probablement dans votre vie amoureuse aussi et professionnelle. On retrouve un équilibre. On retrouve un équilibre. Donc, c'est parfait. J'ai pas envie de recouvrir parce que je vois pas très bien pourquoi je recouvrirais. Mais je vais peut-être relire autrement. Donc, alors, on arrange les choses par rapport à une situation amoureuse, par une situation financière, par une situation plutôt de travail. Il y a des choses qui s'arrangent, des choses qui... Peut-être que vous êtes en justice avec, avec votre travail. Peut-être que vous êtes en justice en procédure de séparation de divorce. Mais il y a quelque chose d'imprévu de toute façon qui va arriver et qui va vous apporter la sérénité.
La sérénité, alors c'est peut-être pas gentil ce que je vais dire, mais vous pourriez aussi entendre quelqu'un parler de quelque chose de peut-être un peu triste pour une personne, mais vous, ça va vous réjouir. On est des êtres humains, hein? Voilà. Parfois on se dit, tu l'as bien mérité. Parfois on se dit ça. On peut pas, mais parfois, ouais. Moi aussi. Tant mieux pour toi, tant pis pour toi. T'avais pas besoin d'être comme ça. On a un amour, ah oui, on a un coup de foudre, on a un coup de foudre, on a un travail, si peut-être vous cherchez du travail, on a du travail dans une maison de repos, maison de convalescence, un EHPAD, etc. On signe un contrat, attention au burn-out, je l'ai dit. Je n'ai qu'une carte de saison, donc c'est de 1 à 6 mois. Donc on est vraiment l'été, on est en plein dedans, donc les choses bougent maintenant. C'est vraiment ces moments-ci que des choses vont se mettre en place. Alors tout va peut-être pas bouger aujourd'hui, ce week-end, mais des choses vont se mettre en place. Peut-être que vous n'allez même pas vous en rendre compte. Vous vous en rendrez compte et vous pourrez comprendre que ça se mettait en place dans ces moments-ci, mais vous n'allez peut-être vous en rendre compte que plus tard. L'amour triomphe. L'amour triomphe pour moi. Bah écoutez, voilà. Reposez-vous quand même, prenez soin de vous. La carte des cadeaux que je vais quand même remettre sur la carte de l'été. Donc, ben voilà, c'est tout bon. En cadeau de la vie, en tout cas, c'est une période. Je pense qu'on est dans une période d'imprévu. Mais qui va vraiment nous apporter la sérénité. Je me mets dedans, du coup. Qui va nous apporter la sérénité. Donc il y a des imprévus, mais positifs, très positifs. Parce que je parlais d'une personne âgée, peut-être, que l'on va devoir mettre dans un EHPAD, par exemple. Mais sachez que peut-être qu'il va falloir un temps d'adaptation aussi pour cette personne, mais elle sera mieux là. Elle sera mieux là. Là-bas. Choisissez quand même la bonne maison, mais vous verrez, et vous aussi, vous serez mieux dans votre peau parce que les responsabilités seront beaucoup moins contraignantes, quoi. Donc là, vous faites bien. Vous avez vraiment besoin de vous reposer par rapport à une situation un peu. On s'occupe peut-être beaucoup, beaucoup d'une personne. Et on se rend compte que de toute façon, voilà, cette personne ne peut plus rester chez elle, elle ne saurait plus. Et voilà, c'est peut-être un peu contraignant. Oui, on a la paix. Je voulais recouvrir la dame, le personnage. Donc on a la paix. Donc écoutez, cadeau, je pense que peut-être même ou alors une personne âgée va vous faire un cadeau. Vous allez vous faire la paix avec une personne plus âgée que vous. On a une paix retrouvée au travail. Pour moi, j'ai quand même un nouveau contrat qui va faire que. Vous allez prendre. Alors, peut-être que vous allez avoir le pouvoir de décision. Vous allez avoir un pouvoir de décision. Voilà. Bon, c'est bien. Je vais rester voir un peu pour l'amour ici. Donc, un amour à coup de foudre. Un amour qui se re. J'allais dire reconstruit, mais qui va
Alors, ça peut être un amour qui va vous rendre justice. Donc, vous allez recevoir la justice grâce à l'amour. On trouve la paix. Oui, une demande en mariage, un voyage imprévu, un déplacement imprévu, pourquoi pas. Ah oui, on a ici une naissance éventuelle, un changement, déménagement. J'ai ici, je voulais prendre trois cartes, mais l'abondance totale et générale. Donc on est heureux, voilà. On est heureux, heureuse, et on a beaucoup de chance. Donc on est vraiment dans de la chance, que ce soit... Oui, financier aussi, que j'ai pas vraiment ici le côté financier, mis à part le côté travail, mais l'abondance totale et générale, donc c'est tous les domaines. Tous les domaines. C'est, voilà. Et puis on a la chance ici. Après j'ai le chien, j'ai l'accord, j'ai la consultante. Donc j'ai ici une fidélité, un accord, donc un contrat qui va être renouvelé, ou un nouveau contrat qui va nous permettre d'être passionné. Donc ça rejoint vraiment les énergies que je ressens. Donc on va vraiment, alors peut-être que ça nous parle aussi du meilleur ami, donc on va peut-être faire quelque chose à deux. Réfléchissez, ça peut très bien aller, mais parfois ça foire. Ah waouh, mais enfin, on a des bonnes cartes, franchement, continuez votre détermination, continuez votre travail. Vous êtes assidu et vous allez récolter ce que vous êtes en train de semer financièrement. Voilà, là, j'ai un monsieur, j'ai la boule de cristal, j'ai un jeune homme, j'ai l'élévation. Que du bonheur, mon Dieu. Voilà, j'ai toujours un peu peur quand je fais un tirage comme ça. Les cartes moches sortent toutes, mais c'est parfait. Que du bonheur, les amis. Allez, je remélange parce que c'est un principe. Nous allons regarder les énergies de l'amour avec le petit Easy Love de notre amie Marie-Laure. Marie-Laure Coutens. Je vais du coup remettre. Donc le petit Easy Love, hein, que je crois tout le monde connaît. L'amour, on est dans les énergies d'amour. Vous allez recevoir ou offrir quelque chose. Je ne sais pas, pensée réciproque, la fleur de lotus, donc la pureté, la beauté. On va vous offrir un soin de santé, un soin chez l'esthéticienne. Merci beaucoup. Allez. C'est très compliqué de toujours mélanger des... Il est encore ressorti à l'offrande ici. La communication, le hibou, la flèche. Waouh! Alors ici, les amis, nous sommes dans... On nous dit d'être sans crainte. N'ayez crainte. N'ayez crainte. Dites ce que vous parlez. Dites ce que vous ressentez. Vous pouvez parler, vous pouvez le dire. Ici, nous sommes dans la sagesse avec le hibou. On a le savoir, la divination, le flair, les ressentis, et un guide. On a un guide. Et on a ici l'élévation avec la flèche. Donc, on est ici dans l'élévation par rapport probablement à une certaine lassitude. J'ai la rose fanée ici. Donc, il y a des choses qui vont changer dans votre quotidien. Allez,
Je sais plus si j'ai coupé. La boîte aux lettres et l'épi de blé. Bon, alors là, les amis, il y a quelque chose, une nouvelle que vous allez recevoir, une nouvelle que vous allez donner. Et pour moi ici, ces deux-là, pour moi, vont représenter vraiment ce que vous désirez manifester, votre intérêt. Manifester votre intérêt et vous récolterez ce que vous aurez, ce que vous semez. L'épi de blé, c'est la mort et la résurrection. Mort et résurrection, récolte. Mais ici, j'ai vraiment... Vous allez recevoir des nouvelles, vous allez donner des nouvelles d'amour. Et j'ai envie de dire, oui, vous allez peut-être essayer de recontacter quelqu'un, ou quelqu'un va essayer de vous recontacter, mais vous allez récolter ce que vous avez semé. Ça veut dire que si vous avez été méchant, peut-être que vous recevrez de la méchanceté. Peut-être. À voir. Et la chouette, hein? On est dans le changement encore. Soyez vigilants. On est peut-être un peu... On vous dit peut-être de vous détacher de ce qui se passe. Bon. Allez. Moi, je passerai la journée, j'aime bien. Alors, pour les... célibataires. Triangulaire. Couple. Deux decks. La fée. Croyez, rêvez, souhaitez. Nous dit la petite fée ici. Croyez, rêvez, souhaitez. On vous demande aussi de prendre du recul. Essayez peut-être de vous calmer, de vous faire un peu oublier. Il faudrait se taire. Alors, vous allez peut-être voir quelque chose qui, si vous parlez, pourrait créer une rupture d'amour, certainement. À vous de savoir ce que vous faites. Oui, à vous de savoir que ce que vous faites. Parce que vous, vous allez aller dire, tu sais quoi, ton mari, je l'ai vu avec une autre. Oui, parce que tu es ma meilleure amie, je te le dis. Oui, donc du coup, son cœur est brisé. Mais elle est toujours amoureuse de son mari. Son mari n'était peut-être pas en train de tromper sa femme, peut-être, ou peut-être pas. Quoi qu'il en soit, on se reconstruit et on se retrouve. Donc, la personne que vous allez aller dénoncer va, conclusion, se réconcilier. Donc, vous allez aller dire à votre ami, j'ai vu ton mari avec machin, bazar, ou avec une personne. Et ça va être un petit peu le cœur brisé pour la personne à qui vous allez le dire, pour votre amie, mais il y a des choses qui vont se passer parce qu'elle aime son mari, rien à faire, et ils vont se réconcilier, et du coup, vous allez faire virer. Oui, faites attention. Toute vérité n'est pas bonne à dire. Je ne dis pas de le faire ou de ne pas le faire. Chacun fait ce qu'il veut. C'est très délicat. Allez, l'amour pour les célibataires. Nous avons l'olivier, l'ouragan, Lilith, la lune noire. Alors,
Qu'est-ce que nous avons pour les célibataires? Bon, il y a... Vous êtes peut-être dans une sérénité, dans la sérénité, dans la stabilité. On dirait quand même qu'il va y avoir ici quelque chose qui va... une espèce de dispute, une espèce de conflit, des contrariétés. Il y a vraiment quelque chose qui va vous contrarier. Mais vous devez savoir que c'est comme ça. C'est comme ça que ça doit aller. C'est votre destinée. C'est comme ça que ça doit évoluer. Heureusement ou malheureusement, moi je dis heureusement, parce qu'ici vous allez vraiment vers l'accomplissement, vers l'évolution, vers un but que vous n'aviez plus. Donc ici pour les célibataires, il va peut-être y avoir des conflits, des disputes, mais ce sera pour, je ne sais pas, ça va vous permettre d'arriver à un accomplissement. Ça va vous permettre d'arriver au but que vous êtes donné. Oui, et ici, en dos de deck, qu'est-ce qu'on a? La clé de sol, donc une relation qui va naître et en une harmonie. Donc, c'est parfait pour les célibataires. Pour les triangulaires, nous avons la carte du journal. La consultante... La jeune pousse. Donc, pour les triangulaires. Vous devez savoir des choses. Donc, on nous dit ici de vous informer. Donc, ici, vous devez savoir des choses. Vous devez connaître certaines choses. Il y a un nouveau départ, donc on vous dit de garder espoir. La consultante, je vais recouvrir. Vous devez vous informer et vous allez comprendre beaucoup de choses. Vous allez comprendre beaucoup de choses. Il y a des choses qui vont vraiment s'éclairer et il y a un nouveau départ pour vous. Alors, est-ce que ce sera avec la tierce personne ou est-ce que ce sera autrement? Je ne saurais pas vous le dire. Ça doit être pour les uns avec la personne, pour les autres avec quelqu'un d'autre. Quoi qu'il en soit, nous allons vers une relation. On va vraiment être protégé dans cette nouvelle relation ou dans ce nouveau... On a la nouvelle relation. On a un nouveau départ. Plein d'oiseaux nouveaux, je ne sais pas, ils font plein de bruits bizarres. J'adore. Il fait calme ici, j'adore. Donc, on a une relation protégée. Donc ici, vous allez évoluer, donc vous allez comprendre des choses. Vous allez avoir vraiment... C'est comme si vous alliez ouvrir la porte et vous allez savoir quel chemin vous devez prendre. Vous allez prendre le chemin. Il y a un nouveau départ, d'ailleurs, vous allez prendre un nouveau départ avec la jeune pousse ici. On a de nouveau de l'espoir, on renaît, et puis on est protégé dans cette relation. Donc, voilà. Pour les couples, nous avons la carte de l'offrande. L'aider et la famille. Dos de deck, l'épi de blé. Ok. Alors, vous allez recevoir un cadeau, vous allez offrir, vous allez recevoir. Ça nous parle aussi de nos pensées et ça nous parle aussi de nos émotions. Donc ici, il va y avoir des émotions qui vont venir ce week-end, en principe, cette fin de semaine. Il va y avoir des émotions pour vous, les amis. Pour nous, pourquoi pas, moi aussi. Et
Restez prudent, non pas sur la route, enfin, si quand même aussi, mais c'est pas ça que je veux dire, moi, ici. Restez prudent quant à des prises de risques éventuelles, comme avec des jeux de hasard. J'aime pas dire ce mot-là, pour moi, le hasard n'existe pas, mais bon. Avec certains jeux à gratter, etc., pour gagner de l'argent, vous prenez des risques, vous vous amusez, et peut-être que vous allez gagner, attention, peut-être que vous allez gagner, c'était ça le cadeau. Voilà, on va vous offrir peut-être aussi quelque chose, comme un billet à gratter de loterie, vous allez le gratter et vous allez gagner, c'est très possible aussi. On a la famille, du coup, on est quand même dans la famille. La famille domine, on pense à la famille. Et là, on récolte. Alors là, j'ai de nouveau mort et résurrection, l'épi de blé, la récolte. Donc pour moi, on récolte ce que l'on sème. Donc faites attention à ce que vous allez faire. Faites attention aux choix que vous pourriez faire. Vous le savez, vous êtes prévenu. Vous risquez de prendre un mauvais chemin, de prendre la mauvaise direction, de faire un choix défavorable. Communication, travail, c'est l'abeille. Communauté. Avant de faire des choix important pour votre famille, communiquez et réfléchissez au travail. Ne lâchez pas la proie pour l'ombre. Vous avez peut-être un travail, vous ne vous épanouissez pas trop, peut-être que c'est provisoire, ça va aller, mais oui, maladie russe. On a le rat ici. C'est marrant, enfin c'est pas marrant du tout, mais il y a quelque chose. Tout va bien pour vous, les couples heureux, les couples normaux, on va dire. Tout va bien pour vous. Il y a une prise de risque ici, que vous allez peut-être prendre ou pas. Si vous ne la prenez pas, tant mieux. Mais si vous la prenez, si vous prenez ce risque-là, il est possible, j'avance pour mieux expliquer, donc vous allez prendre un risque, ouais. Bon, moi ce que j'ai vraiment ici, pour moi, c'est prise de risque, alors c'est peut-être aller jouer au casino. On va prendre ce cas-là par exemple. On va jouer au casino avec l'argent de la famille et le blé. On va parler d'argent pour moi, la récolte. Qu'est-ce qu'on va récolter, les amis, ici? Ben, on va récolter un choix défavorable, donc vous n'allez pas bien jouer. Vous allez communiquer avec des personnes là où vous êtes, ou mais ici, je vois là, avec le rat, on a la ruse, on a le malin, le mal, la maladie. Donc, soyez vraiment vigilant quant au choix que vous allez faire. Vous pouvez toujours, actuellement, vous pouvez toujours ne pas faire ce choix-là. Enfin, faire le bon choix. Ok, amour joyeux, épanoui. Si vous faites le bon choix, eh bien, tout va bien aller. C'est logique ce que je dis là, mais ça veut dire que soyez quand même vigilant aux propositions que vous allez faire et peut-être aux choix que vous devez faire, mais pour même dans quelques mois. Mais soyez vigilant parce que si vous faites, par exemple, on va partir en vacances là-bas,
ce sera peut-être pas une bonne idée. Réfléchissez, vraiment. Mais ça, ça tient dans vos mains. Donc, c'est vous qui avez les cartes en main pour faire ce choix-là. Et vous pouvez très bien, ici, vivre, vous épanouir et vivre un amour qui est joyeux aussi. Avec les enfants ou quelque chose avec une nouveauté. Voilà. Croyez, rêvez, souhaitez. Décision, réfléchissez. Travail, changement. Donc, voilà. Pour ce qui est de l'amour. Alors, on va prendre le petit Lenormand de notre ami toujours Marie-Laure. Et on va faire le oui ou le non. Double jeu, méfiance, peur. Et ici, l'accomplissement, la destinée, le but, l'évolution, le karma. Ben, il y a quelqu'un là qui vous a fait peut-être du tort, qui va perdre la face. Retour de manivelle. À soucis qui prend tous nos soucis, ça c'est bien. Le petit trèfle de notre ami Yoli Lune. Bon, j'essaie vraiment de faire ce que je peux avec les jeux que j'ai, mais pour essayer de les utiliser tous, c'est très 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 compliqué. Bon, toujours de Marie-Laure Coutens, des oracles et des fées, à la chaîne des oracles et des fées. Vous procurez ce petit Lenormand et vous posez votre question fermée qui demande un oui ou un non. Et si on a l'anneau, c'est oui. Si on a la croix, c'est non. Là, on a le renard. Je sais pas, j'ai ici un ressenti comme si... faites attention parce qu'on pourrait vous épier. Ou on pourrait épier votre fils, si votre fils sort, je ne sais pas, votre fille ou votre fils, s'ils sont sortis. Soyez vigilants. Allez, oui ou non. L'ours et le cheval. Treize cartes. Une. C'est oui. C'est oui. Voilà les amis. Donc, on est dans les 13 premières cartes. On a le oui tout de suite. Je n'ai pas posé de question, j'ai oublié. Donc, voilà. J'espère que c'est ce que vous voulez. Si ce n'est pas ça que vous voulez, vous ne prenez pas. Et vous prenez le non. Et vous prenez ce que vous voulez. Voilà les amis, moi je vous fais des gros bisous, je vous souhaite une très belle fin de semaine et je vous dis à bientôt pour une autre vidéo. Gros bisous.